Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous montrer un point sur votre visage qui a des effets miraculeux sur la santé. C'est le point que l'on appelle le troisième œil, car il se situe entre les deux yeux. Je vais vous indiquer 7 bienfaits pour la santé qui surviennent en massant ce point. On va pratiquer ici l'acupression, c'est-à-dire l'acupuncture sans aiguille, uniquement avec les doigts. C'est un automassage qui nous vient de Chine et d'Inde. Il s'effectue sur les différentes parties du corps, comme le visage, le front, les tempes, les mains et les pieds. Le point que vous allez découvrir maintenant est l'un des plus efficaces quand il s'agit de pratiquer l'automassage du visage. Il est appelé Ajna en médecine ayurvédique et Yintang en médecine traditionnelle chinoise. Vous allez découvrir les 7 bienfaits qui arrivent à votre corps quand vous stimulez ce point. Pour masser ce point, il faut utiliser la pulpe de l'index ou du pouce et il ne faut pas appuyer trop fort. Contrairement au point que l'on peut masser sur d'autres parties du corps, il ne faut pas faire de pression circulaire trop forte, mais il faut masser doucement et avec bienveillance. Une pression de ce point sur le front aide à améliorer la concentration, soulage les maux de tête et peut diminuer la fatigue oculaire. Selon la médecine traditionnelle chinoise, masser ce point peut également aider à renforcer votre sens de l'intuition. Il faut exercer une pression vers le haut sur le point entre les sourcils pendant 45 secondes à 1 minute pour bénéficier des bienfaits de ce point sur le front. Enfin, sachez qu'on appelle ce point le foyer des pensées, de la spiritualité, de l'imagination, des croyances, de l'intuition, de la connaissance et de la clairvoyance. C'est tout un programme. C'est pour ça que c'est vraiment un point exceptionnel. Le premier effet de ce point est qu'il va stimuler l'hypophyse, qui est la principale glande endocrine qui contribue à améliorer l'état de la peau sur tout notre corps. Stimuler ce point est particulièrement recommandé en cas de problème de peau comme l'acné, l'eczéma ou le psoriasis. C'est la raison pour laquelle la plupart des automassages à faire devant la glace tous les matins pour garder une belle peau sans imperfection reprennent systématiquement ce point. Le deuxième effet du massage de ce point est qu'il a la capacité de réduire les tensions musculaires et de faciliter la relaxation et le bien-être de tout le corps. Vous allez vous sentir plus détendu, reposé, peut-être un peu shooté. C'est idéal après une journée stressante, passée dans un environnement de travail agressif, dans des transports bruyants ou dans des embouteillages interminables. Ce massage va aussi calmer votre esprit le soir. Vous allez vous endormir plus facilement et vous aurez un sommeil plus profond et réparateur. La stimulation de ce point va aussi permettre d'améliorer la circulation sanguine. Vous savez que le sang apporte l'oxygène à toutes les cellules de l'organisme. Masser le troisième œil est idéal pour mieux oxygéner son corps. Un organisme mieux oxygéné, c'est plus de tonus, de vitalité, une capacité du corps à mieux résister aux maladies et à mieux activer ses facultés d'auto-guérison. C'est aussi une capacité à mieux supporter les différentes douleurs, notamment les douleurs chroniques comme les douleurs osseuses ou articulaires par exemple. En parlant des douleurs, il y a un effet très important
c'est la production d'endorphines par le cerveau. Les endorphines, qu'on appelle aussi les hormones du plaisir, sont sécrétées quand on a du plaisir, par exemple, quand on mange quelque chose d'appétissant, quand on rit ou quand on est amoureux. Ces hormones sont de véritables antalgiques naturels, autrement dit des antidouleurs. Ils vont remplacer avantageusement les doliprane, aspirine, ibuprofène et tous les antalgiques chimiques dont on déplore les effets secondaires. Ce point concerne également tous les sens dont les organes se trouvent au niveau du visage, les yeux, le nez, les sinus et les oreilles. Le masser régulièrement peut contribuer à traiter les troubles de la vue, la sinusite, les bourdonnements d'oreilles, les céphalées, les vertiges, etc. C'est donc un point miracle pour toute la zone du visage et qui peut être stimulé dès qu'il y a un problème sur cette partie du corps. Vous savez, depuis 2 ans, je publie des vidéos sur les médecines douces, la naturopathie, le bio, les huiles essentielles, la réflexologie, l'acupression et sur différentes thérapies alternatives. Bref, sur tous les bienfaits que nous offre la nature pour être en pleine forme au quotidien. Mais ces vidéos, ce ne sont qu'une petite partie de ce que je peux vous apporter. Et j'ai envie maintenant, après des années de travail en cabinet, de partager avec vous toutes mes connaissances et toute mon expérience. Je vous propose donc de vous abonner à ma lettre privée de santé naturelle. Chaque jour, vous recevrez directement dans votre boîte mail une mine de conseils, de trucs et d'astuces tirées de mon expérience en cabinet. Pour vous abonner gratuitement, c'est facile, il suffit de cliquer sur le lien qui est au début de la description de cette vidéo, donc juste en dessous ou à côté, et de me laisser votre adresse mail. Et dès demain, je vous ferai parvenir votre premier exemplaire de ma lettre privée de santé naturelle. C'est également un point idéal pour réduire la fatigue, soulager les maux de tête et la tension oculaire. On peut le masser quelques minutes le matin quand on n'a pas assez dormi pour mieux se réveiller et passer une meilleure journée. En effet, quand on est fatigué, on est tout de suite moins productif, on fait moins attention, on a l'esprit perturbé par tout un tas de choses. Je me suis rendu compte que ce point était vraiment utile pour tous les problèmes de concentration, notamment au travail ou au cours des études. Enfin, et c'est là l'une des caractéristiques principales de ce point, c'est qu'il a également un effet bénéfique sur l'état émotionnel et spirituel dont il va contribuer à restaurer l'équilibre. En clair, cela veut dire que vous allez vous sentir globalement mieux, vous aurez plus envie d'aller de l'avant, de vous impliquer dans vos activités. Vous serez peut-être plus enthousiaste, plus ouvert ou ouverte aux autres. Vous ressentirez plus d'émotions positives. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce point du troisième œil. Maintenant, j'aimerais vous demander quelque chose. Pouvez-vous me faire part de votre expérience et surtout la faire partager à celles et ceux qui regardent cette vidéo? Est-ce que ça fonctionne pour vous? Est-ce que vous avez d'autres conseils à donner, par exemple? Pour cela, il suffit de faire un petit commentaire en dessous de la description de la vidéo. J'aimerais vous demander une chose, c'est, si vous ne l'avez pas encore fait, de vous abonner à ma chaîne YouTube. Donc vous cliquez sur le bouton qui est juste en dessous, le bouton rouge s'abonner. Ensuite, quand ça devient gris, ce que vous pouvez faire, c'est activer les notifications. Juste à côté, il y a une petite cloche. Vous cliquez sur cette petite cloche grise et ça va vous envoyer une notification à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Le troisième œil, il se situe, comme son nom l'indique, à la base des sourcils. Comme ceci, entre les deux yeux. On le masse pendant 1 à 2 minutes, comme ceci, avec le pouce ou l'index, dans le sens des aiguilles d'une montre. Comme cela.
Voilà, cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker ou à la partager. Vous pouvez également poser des questions ou laisser un commentaire juste en dessous. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout et je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo de santé naturelle. À bientôt, bye bye.